Nous voici de retour pour le panel suivant. On va s'intéresser cette fois à la forêt et à son public. Alors, la fréquentation des forêts n'a fait qu'augmenter durant ces dernières années et la pandémie actuelle n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Une grande proportion de la population ressent le besoin d'aller se ressourcer, se détendre en forêt. Alors, afin de combiner au mieux cette fonction sociale et récréative avec d'autres fonctions de la forêt comme la sylviculture, la protection de la biodiversité, la chasse et autres, de plus en plus d'initiatives visent à améliorer l'accueil du public et à l'impliquer davantage aussi dans les projets forestiers. Alors, pour aborder cette question-là, nous accueillons Michel Leitem. Bienvenue, Monsieur Leitem. Alors, vous êtes diplômé en sciences naturelles et sylvicoles de l'Université de Fribourg, en Allemagne. Vous êtes chef de l'arrondissement de la nature et des forêts sud, administration de la nature et des forêts du Grand-Duché de Luxembourg. Vous êtes également référent national du réseau intégré au sein de l'Institut européen des forêts et vous présidez l'ASBL ProSylva Luxembourg. Soyez le bienvenu. À côté de vous, il y a Nicolas Nederland qui est le directeur de la Fédération des parcs naturels de Wallonie. Alors, vous êtes ingénieur industriel agronome. Vous avez toujours été intéressé par les stratégies territoriales, les constructions multi-acteurs, la co-construction de projets. Votre travail au sein de la Fédération consiste effectivement à rassembler les parcs, à créer ce réseau pour un partage de compétences et plus d'efficacité sur le terrain. Donc, bienvenue à tous les deux pour aborder cette question du public. Alors, Monsieur Leitem, on va commencer avec vous. Selon vous, quel est le rôle et la place du public dans la forêt de demain ? Je crois que le grand public, il a un rôle très, très important à jouer dans la perception des forêts de demain. Donc, effectivement, durant la pandémie, on l'a déjà remarqué que les gens, ils ont besoin de la forêt pour sortir dehors, pour se ressourcer. Et donc, effectivement, les gens, ils voient ce qui se passe en forêt. Ils sont donc très liés à cette gestion-là. Donc, les défis aussi donc, pour les gestionnaires forestiers sont énormes parce qu'effectivement, on a constaté donc effectivement le défi majeur des forêts, c'est donc le changement climatique. Au XXe siècle, mais aussi que, notamment dans les villes, il y a effectivement 2/3 de la population mondiale vont vivre dans des villes jusqu'en 2050. Donc, il faut vraiment maintenant donc intégrer dans la sylviculture aussi le grand public. Et ça nous semble donc primordial. Vous avez un petit pays très densément peuplé, donc la fonction sociale récréative de la forêt est très importante et vous mettez un point d'honneur à intégrer le plus possible vos visiteurs dans vos plans d'aménagement forestier. Vous allez assez loin dans cette démarche. Vous pouvez un petit peu expliquer ça ? Oui, effectivement. Donc, nouvellement, on voit que les gens, ils sont très attachés à la forêt et donc ils se posent des questions. Et souvent, nous, en tant que préposés forestiers, on a une vue très spécifique sur la forêt, mais les autres usagers de la forêt ont des revendications qui sont toujours ou souvent d'autres natures que notre formation initiale. Et c'est pour ça que maintenant, par exemple, pour la ville de Luxembourg, on est en train d'effectuer une enquête. Qu'est-ce que les gens recherchent dans la forêt ? Qu'est-ce qui est important pour eux ? Et pour donc aussi intégrer les besoins réels de la société dans la gestion forestière. Il nous importe toujours que notre sylviculture reste multifonctionnelle, donc production de bois, la récréation, donc la fonction sociale est très très importante, mais donc aussi la protection de la nature. Donc ces trois piliers sont très très importants. Mais donc, savoir qu'est-ce que la société, elle recherche et comment intégrer ça dans nos plans d'aménagement forestier. Et ça nous semble vraiment très, très important pour que la société, elle puisse s'identifier avec la forêt. Et par cela, on aimerait bien que la forêt soit plus respectée, que aussi donc la propriété forestière soit plus respectée et donc arriver vraiment à un échange avec la société. Un
échange avec la société et faire en sorte aussi que le public se sente chez lui, enfin dans sa, c'est aussi sa forêt, se l'approprie finalement, apprenne à la connaître pour mieux la protéger aussi. Mais ouais. Ça implique du coup une certaine ouverture de la part des gestionnaires forestiers, ça implique beaucoup de communication, parce que ça veut dire concrètement qu'on doit être à la fois à l'écoute du public, disponible, qu'on doit pouvoir s'adresser à lui le plus souvent possible, lui expliquer ce qui se passe. On voit souvent, vous me disiez au téléphone, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on coupe du bois. C'est parfois très mal perçu. Eh bien, vous avez une stratégie vraiment de communication pour anticiper ce genre de réaction et expliquer aux personnes comment fonctionne une forêt. Donc, il y a vraiment toute cette démarche d'ouverture. Le forestier sort de son bois quelque part, va rencontrer ce public, lui parle et essaye d'être à son écoute et de lui expliquer les choses. Ça, c'est quelque chose que vous, que vous mettez en place sur votre cantonnement, en tout cas. Et ça porte ses fruits ? Oui, effectivement. Donc, un peu provocatif, je dis toujours que le forestier s'est trop longtemps caché en forêt. Et ça, on aimerait vraiment le changer. Donc, plus rester dans notre milieu, mais vraiment donc, sortir et aller à la rencontre des gens. Et donc, pour le forestier périurbain, donc la communication, elle est essentielle. Et donc, vraiment, communiquer avec les usagers de la forêt, donc la sensibilisation du public dans la forêt périurbaine, elle est très, très importante. Mais pour cela, il faut aussi donc, donner aux forestiers les moyens pour qu'ils puissent faire cette sensibilisation. Donc, le temps et aussi les moyens financiers. Vous disiez tout à l'heure qu'il était nécessaire de garantir la multifonctionnalité de la forêt. Donc concrètement, avec l'un ou l'autre exemple concret, comment vous arrivez à faire cohabiter ces différentes fonctions récréatives, production de bois, protection de la nature? Est-ce que vous avez l'un ou l'autre exemple concret à nous partager? Il y a des exemples concrets qu'on peut partager. Donc effectivement, si on regarde dans une forêt, on peut regarder... où est-ce que la production, elle est maintenant primordiale, où elle prime, où prime le social, et donc par une gestion dans l'espace, on peut donc dire où on va prioriser la production, où on va prioriser la récréation et où on va prioriser donc la protection de la nature. Mais pour tout cela, il faut donc être vraiment à l'écoute du public et aussi le sensibiliser, parce qu'il y a effectivement, on rencontre souvent que le public citadin et le public rural, ils ont beaucoup, une perception totalement différente de la forêt. Et là, il importe vraiment donc, de rapprocher ces deux sociétés et donc avoir le respect pour les travaux qu'on exerce en milieu forestier. Et ça passe aussi par la mise en place d'infrastructures. – Absolument, public, absolument. Hein, – balisage, sensibilisation, tracé. Oui. – Absolument, donc le balisage des chemins, il est très très important. Donc un petit exemple concret, donc même en forêt périurbaine, si on a une coupe de bois, il y a sur un chemin balisé, il faut prévoir donc, des déviations de ces chemins pour que le promeneur ou le vététiste, ils se sont à l'aise et ils ne perdent pas ses repères. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important et ce qui nous aide beaucoup à anticiper donc, des conflits éventuels. Voilà. Justement, en parlant de conflits, une dernière petite question, Michel Leitem. On sait que le dialogue est parfois compliqué entre différents usagers. Comment vous tentez d'améliorer ces relations entre promeneurs, cavaliers, vététistes, naturalistes? Oui, effectivement, c'est pas toujours évident de réconcilier donc toutes les intérêts que les gens cherchent dans la forêt. Et donc là, effectivement, le balisage des chemins, il est très très important. Donc nous avons des chemins balisés donc plutôt pour les promeneurs, d'autres balisages qui sont donc réservés aux cavaliers, ou encore d'autres balisages qui sont réservés aux vététistes. Et donc, comme ça, par un espacement, on évite donc, les conflits. Mais donc, comme je l'ai dit déjà, la communication, elle est vraiment essentielle pour aussi avoir un respect entre les visiteurs et entre les différents usagers de la forêt. Merci. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Nederlin, est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent dans ce que vous venez d'entendre ?
Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont inspirantes. Effectivement, la forêt doit être partagée, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que tout le monde est bien conscient de ça. On a vu avec le Covid qu'il y avait beaucoup de gens qui retournaient vers la nature. On sent aussi qu'en Wallonie, notamment, la forêt occupe une place importante au niveau de la sensibilité des gens, au niveau de la naturalité ou la nature sauvage. Clairement, quand les gens, en tout cas, comme monsieur disait, il y a une différence de perception entre les ruraux et les urbains. Clairement, pour les urbains, je pense que quand ils pensent nature sauvage, ils pensent forêt, sans peut-être avoir les codes pour voir si la forêt est riche en biodiversité ou est préservée, etc. Mais clairement, cette sensibilité-là doit être entendue. Et il faut aussi maintenant penser une accessibilité et un aménagement concerté de la forêt pour les touristes. Je pense que c'est hyper important. Effectivement, avant le Covid, il y avait des pressions qui pouvaient être contenues. Maintenant, on a vu que voilà, quand il y a des événements externes qui impactent le tourisme international et que les gens se replient sur un tourisme plus local, mais tout de suite, on n'a pas les infrastructures pour gérer l'afflux. Donc là, il y a une stratégie à mettre en place, et c'est bien que les assises arrivent maintenant, parce qu'on est encore dans l'anticipation. Je pense qu'on n'est pas, débordé par les touristes, à part quelques épisodes durant le Covid. On est encore, c'est le bon moment pour mettre tout ça en place, clairement. Alors, on sait que la nature est un élément central de l'offre touristique des parcs naturels, évidemment. Que connaît-on de la fréquentation des forêts wallonnes, des attentes du public, qu'est-ce qu'il vient y chercher en priorité ? Mais donc, il y a deux études assez intéressantes qui ont été faites dans des projets de parcs naturels. Donc, la première date de 2011 dans le cadre du Life Hautefagne, donc dans le parc naturel Hautefagne-Eiffel, où il y a eu une enquête auprès de 200 visiteurs sur ce qu'ils préféraient comme paysage forestier. Et donc, là, clairement, il y a une préférence pour les forêts de feuillus par rapport aux forêts de résineux. Il y a notamment aussi un consentement, et ça c'est plus pour l'aspect économique du tourisme, il y a notamment un consentement à participer à l'accès au milieu naturel. Donc pour le moment, ben voilà, tout est gratuit. Mais donc en moyenne, il y avait un consentement à payer 5 €. Pour participer à la gestion. Et il y avait aussi une bonne acceptation du fait qu'une partie de la forêt pouvait être réservée à d'autres aspects que le tourisme, comme la préservation de la nature. Et donc, si c'est pour protéger la faune et la flore, ben, on accepte effectivement que des chemins soient fermés, qu'une partie de la forêt ne soit pas accessible. Et alors, il y a une autre étude beaucoup plus récente ici. Et donc là, je vous invite à aller voir sur Internet l'écotourisme en Ardennes, une étude du professeur Marc Dufresne de Jean Blou Agrobiotech, qui a été faite dans le cadre du projet Agreta avec des parcs en Ardennes notamment. Et donc là, c'est hyper intéressant parce qu'il y a deux approches. Il y a encore l'approche questionnaire auprès de, là cette fois-ci, un panel de 600 personnes qui ont répondu. Encore une fois, nette préférence pour les feuillus par rapport aux résineux. Mais alors, ça a été plus loin, nette préférence pour les forêts mélangées, irrégulières par rapport aux forêts régulières. Et alors aussi, un important besoin de bois mort en forêt. Donc les gens préfèrent effectivement à 86% qu'il y ait du bois mort, donc que ça se rapproche le plus dans l'imaginaire collectif d'une forêt sauvage, si on veut. Et alors, la première enquête de 2011 et celle-ci menait aussi aux mêmes conclusions par rapport à l'alternance de milieux ouverts, milieux fermés. Là, clairement, les touristes apprécient de se balader en forêt et puis d'avoir des vues longues sur des paysages dégagés. Et par rapport aux infrastructures, puisqu'on en parlait en début, l'enquête montre qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'infrastructures, mais qu'une infrastructure basique est plébiscitée par rapport à aucune infrastructure. Donc là, il y a quand même une petite frange, 15% des touristes qui souhaitent que, voilà, on les laisse libres. Et puis, la majorité, 2/3 du public, souhaitent vraiment que ce soit basique et pas faire des accrobranches dans tous les sens, des méga infrastructures, des choses comme ça.
Mais donc, c'est intéressant à savoir aussi parce que l'effort, l'investissement qui doit être fait n'est pas non plus gigantesque. Il peut être facilement cadré. Les gens cherchent l'authenticité. Oui, l'authenticité, mais quand même d'être guidé et d'avoir, voilà, qu'on leur propose un petit peu le meilleur, le meilleur produit. Et dans les demandes des visiteurs, il y avait également la demande de développer un meilleur réseau de zones protégées en forêt, d'augmenter la naturalité des paysages forestiers, ça on l'a déjà un peu dit. Et il y avait aussi une remarque importante sur la chasse, voilà, essayer de, pouvoir avoir moins de chasse le week-end et lors des congés scolaires, ça on n'en a pas encore parlé. Et alors ça c'était la première partie de l'étude, qui était une enquête assez classique. Et la deuxième partie de l'étude, là, s'intéresse plus à la fréquentation. Et donc, via des relevés téléphoniques, donc grâce aux différentes antennes téléphoniques, on sait faire des relevés qui se centrent uniquement sur les massifs forestiers. Donc là, il y a 14 zones GSM qui ont été couvertes, à la fois dans les Hauts-de-Fagne, sur la Semois, dans la Lesse, Forêt d'Anlier et les Deux Ourthes, donc sur 125 000 hectares, ce qui correspond à peu près à un quart de la forêt wallonne. Sur 250 jours, donc quasiment une année complète, là, il y a 8 millions de visiteurs qui ont été recensés. Donc, après, donc c'est un chiffre quand même hyper important parce que, voilà, pour prendre une échelle de grandeur, Paradisea, par an, c'est 2 millions de visiteurs, c'est la première attraction de Wallonie. Donc, bah, maintenant, la première attraction de Wallonie, c'est les forêts. Et donc, 4 millions de ces visiteurs venaient de moins de 20 km et 4 millions de plus de 20 km, dont 20% d'internationaux. Sur les massifs les plus fréquentés, en fait, je ne sais pas si vous avez une idée de quels pourraient être les massifs en Wallonie qui sont les plus fréquentés par les touristes. Forêt de Saint-Hubert. Forêt d'Anlier. Eh bien non. Donc c'est le massif autour de l'Ourthe, en fait, qui a plus d'un million 100 000 visiteurs. Et puis effectivement viennent les Hauts-de-Fagne avec 600 000 visiteurs. Ensuite Forêt d'Anlier, 400 000 et la Lesse et Saint-Hubert en dernière position. Et alors, il y a aussi toute une étude sur les dépenses que peuvent faire les visiteurs. Et donc là, je vous renvoie à l'étude complète qui est vraiment hyper chiffrée, mais qui démontre bien qu'en fait, on n'avait pas conscience de l'attractivité en fait des forêts en Wallonie, qui est vraiment en fait une attraction principale. Et ça a d'ailleurs été montré dans le cadre aussi d'une étude qui a été commandée par la ministre Debut il y a quelques mois, qui a été faite par Roland Berger, qui montre qu'effectivement, la Wallonie est aussi une destination verte et la forêt occupe une place prépondérante dans cette destination. Et c'est donc, voilà, il y a effectivement pas mal de choses à développer autour de ça. L'importance d'intégrer, évidemment, cette fonction récréative dans la construction de projets forestiers futurs. Oui. Donner une réelle place à ce public, être à l'écoute de ses besoins, de ses demandes et le sensibiliser pour effectivement qu'il oui, puisse je pense profiter, bénéficier de ça dans le respect du milieu. Oui. Tout à fait, comme on le disait au début, en fait, il faut anticiper des choses qui arrivent maintenant. Les gens sont de plus en plus à fréquenter le milieu naturel. Et donc, il faut effectivement maintenant prendre la mesure de cette fréquentation, sachant que voilà, ici, on est retombé après le Covid, les gens repartent à l'étranger, etc. Mais je pense que la fréquentation ne va faire qu'augmenter avec des prix de l'énergie qui vont augmenter, avec voilà, un besoin de nature et de proximité aussi sur des courts séjours aussi qui est importante. Et là, je pense qu'au niveau des forêts wallonnes, tout est en place pour répondre à cette demande, qu'il soit intra-belge ou qu'il soit étrangère également. Là, il y a un énorme potentiel au niveau touristique, en tout cas. Rapidement, Nicolas, parce qu'il nous reste que quelques minutes, si vous deviez citer l'un ou l'autre projet emblématique mené par les parcs naturels pour améliorer l'accueil du tourisme en forêt, ce serait lesquels ? Il y a plusieurs projets qui ont été menés ces dernières années, notamment les bivouacs en forêt. Donc là, c'est sur des itinéraires de grandes randonnées, les fameux GR qu'on connaît, l'installation de bivouacs en forêt. Et déjà là, on a rencontré pas mal de problèmes, en fait, parce que les bivouacs étaient occupés par des personnes qui n'étaient pas forcément des randonneurs. Et donc, dans la gestion de conflits, on s'est rendu compte qu'en fait, ça demandait beaucoup de gestion, ces
bivouac en forêt, que c'était pas seulement... Donc ce sont simplement des endroits plats aménagés pour recevoir une tente, où les gens peuvent rester de 5h du soir à 10h du matin. Il y a parfois un petit point d'eau, mais pas souvent, un petit coin de feu et un panneau d'explication de ce qu'on peut faire, pas faire. Mais on s'est rendu compte que pour les communes et le DNF, c'était quand même un coût très important. Ça, dans l'enquête qu'on a faite, c'était plus ou moins 5 000 € par bivouac par an, en gestion, réservation, etc. Le Covid a encore amplifié les choses. Et donc, par exemple, sur ce qui est fait dans la forêt du Pays de Chimay, là, maintenant, il y a des réservations sur site internet qui fonctionnent bien. Mais des bivouacs ont dû être fermés. Donc, parce que, en fait, en Wallonie, on a une trentaine de bivouacs actuellement. Et donc là, il y a soit un potentiel, soit mieux cibler les endroits où on met les bivouacs. Et donc, on a déjà travaillé sur ces questions. C'est intéressant. Il y a plein de choses qui peuvent en ressortir. Alors, il y a aussi les projets de massifs forestiers qui sont justement destinés à mieux encadrer le tourisme et à mieux définir les zones où le touriste peut se rendre ou pas, avec des cœurs de nature, avec des zones de développement touristique, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est vraiment de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Et par exemple, ce qui se fait en forêt d'Anlier, c'est que toutes les cartes pédestres de toutes les communes sont sous la même configuration. Et donc, c'est plus facile aussi pour le touriste de s'y retrouver. Et alors, un dernier petit projet qui a là à plus trait au partage de la forêt, qui s'appelle d'ailleurs Partageons la forêt, qui est fait avec les chasseurs, puisqu'on sait qu'il y a des conflits latents entre usagers et chasseurs lors des périodes de chasse. Et donc là, c'était de faire une table ronde entre les acteurs et de mettre en place un site web qui permet aux randonneurs de savoir quelles zones sont en chasse les journées de chasse sur les zones, etc. Donc voilà, c'est un petit peu trois projets parmi d'autres qui ont été développés dans les parcs naturels. Merci Nicolas Nederland. Alors on a encore une grosse minute pour une petite réaction de Michel Leitem. Sur quoi vous avez envie de réagir dans ce que vient de développer Nicolas ? Je constate que c'est effectivement... donc le public il est avare de découvrir les forêts, donc non seulement en Wallonie, mais je crois que dans toute la grande région. Et pour moi, je crois qu'accueillir le public dans la forêt, ça peut être ou ça doit être perçu comme une chance par les préposés, par les gestionnaires des forêts, mais aussi par les propriétaires des forêts. Donc effectivement, montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait dans la forêt. On produit du bois, mais aussi donc toutes les effets bénéfiques, donc les effets écosystémiques. Donc montrer aux gens à quoi le gestionnaire de la forêt, le propriétaire de la forêt contribue à ces effets bénéfiques. Ça, c'est très, très important. Et n'oublions pas que donc aussi la société qui vient en forêt, ça, c'est aussi, ce sont des clients potentiels pour la ressource bois. Mm-hmm. Et donc, je crois donc vraiment que la sensibilisation du public, ça doit faire partie intégrante du métier du forestier. Merci. Merci beaucoup, Michel Lepay. Merci beaucoup, Nicolas Nederland, pour vos participations, vos propos très éclairants, très intéressants. Écoutez, bonne continuation à chacun dans vos magnifiques massifs forestiers, et au plaisir aussi de vous croiser, Nicolas, sûrement lors des processus de concertation. Monsieur Leitem, j'invite tout le monde à venir visiter vos forêts périurbaines à Luxembourg qui sont très agréables et effectivement très bien gérées. Donc, merci beaucoup. Merci. Et bon retour merci. À vous. Merci. Alors, attendez, ne partez pas tout de suite. Tadam ! L'avantage avec des événements en ligne comme celui-ci, c'est qu'on peut vous faire des surprises. Et oui, nous avons une invitée d'honneur qui est Valérie Debut, la ministre de la fonction publique, du tourisme, du patrimoine et de la sécurité routière, qui nous fait le grand plaisir, l'immense honneur même de nous rejoindre. Madame Debut, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct depuis notre studio VIP. Vous êtes là, bien oui, écoutez, on dit les choses comme elles sont. Merci pour votre accueil. On est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour entendre aussi votre vision de cette question centrale de l'accueil du public en forêt. Alors, avant de vous poser l'une ou l'autre question, peut-être avez-vous envie de réagir à chaud sur ce que viennent de dire nos deux orateurs ici ces 10 dernières minutes.
Bien, je me retrouve tout à fait dans ces témoignages et c'est aussi toujours intéressant d'entendre des intervenants qui sont proches de nous, même s'ils ne sont pas de chez nous. Et c'est vrai que ce qu'ont rapporté l'un et l'autre, on sent cet intérêt de plus en plus croissant de la part des visiteurs, des touristes pour la nature et la forêt en particulier. Comme l'évoquait aussi M. Nederland, ça fait partie de la stratégie touristique 2030, c'est-à-dire que c'est un axe, la nature-évasion, pour le développement du tourisme wallon, et la forêt est un facteur d'attractivité. Mais ce que j'ai entendu dans ces témoignages qui m'ont vraiment interpellée, c'est des mots comme respect, partage de la forêt, dialogue, sensibilisation, communication, infrastructure, et donc vraiment ces deux témoignages sont vraiment très inspirants aussi pour la ministre du Tourisme, parce que l'on doit travailler en dialogue et en transversalité. Oui, effectivement, comme le disait Michel Leitem, ça demande beaucoup d'ouverture. Ça demande à chacun de sortir un petit peu de son bois quelque part, hein, pour aller à la rencontre de l'autre et partager une passion, partager des connaissances, etc. Pour vous, c'est un élément qui devrait être davantage pris en compte dans la gestion du public, cette ouverture à l'ensemble des usagers? Oui, c'est vraiment un défi qui nous attend, parce que le tourisme et la nature, bien, ils sont tout à fait complémentaires, ils se nourrissent l'un l'autre, et le tourisme permet de rendre la nature et la forêt accessibles au public, mais il doit permettre aussi de la préserver et de la protéger. Et donc cette ouverture, elle est fondamentale aussi à travers nos services de la région wallonne, tant, comme le disait d'ailleurs M. Leitem, les services forestiers qui doivent s'ouvrir, mais aussi les acteurs touristiques et les administrations qui doivent effectivement travailler en transversalité. Et donc, lorsque, comme l'ont bien indiqué d'ailleurs l'un et l'autre, la pandémie a renforcé, a amplifié cet intérêt, eh bien, on a mis autour de la table différents acteurs, nos administrations, qui ont appris à travailler l'une et l'autre, justement, pour mettre en place cette communication, mais aussi ces infrastructures qui, à la fois, attirent le tourisme, mais surtout protègent la nature, et aussi tous les usagers. Parce que chaque usager a une attente différente, une approche différente, des besoins différents, et il faut pour ça vraiment mettre tout le monde autour de la table. D'abord, faire en sorte que chacun comprenne les attentes des autres. Et c'est vrai que vous avez évoqué le cas des chasseurs, mais il y a aussi les piétons, les vététistes par exemple, et les gestionnaires, les propriétaires qui parfois sont inquiets. Et il faut vraiment pouvoir rassurer, se comprendre et puis peut-être développer des projets ensemble. Et M. Nederland a cité le projet de charte Apaisons la forêt. C'est un des exemples qui a été issu de ces premières concertations, mais que vraiment j'appelle à se développer de manière beaucoup plus structurelle à l'avenir. Ça, c'est pour la question effectivement de la cohabitation entre usagers. Alors l'autre question importante, c'est évidemment l'impact du tourisme sur le milieu naturel. Et donc tout l'enjeu, c'est de sensibiliser le public à cette richesse, à cette biodiversité, tout en limitant la pression sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de garantir cela? Oui, et quand j'entends les chiffres, hein, 8 millions de visiteurs, c'est impressionnant, hein, c'est 4 fois plus que peut attirer Péridasa. Donc il ne faut vraiment pas développer le tourisme dans cette vision de pression. C'est vraiment, d'ailleurs, on entend que les attentes ne sont pas celles-là. Il faut de l'espace, il faut du respect, il faut de la nature. Et donc, il faut mettre en place aussi des infrastructures qui incitent à ça, qui incitent au respect. Et nous avons cette opportunité en Wallonie avec le plan de relance. Certaines fiches d'ailleurs que je porte avec la ministre de la Nature, Céline Tellier, notamment dans le cadre des parcs nationaux, ou aussi des fiches qui permettent de mettre en valeur certains sites, certains grands sites majeurs en Wallonie, où on peut créer des infrastructures, mais des infrastructures légères, des infrastructures d'accueil qui permettent ce respect. Et donc je pense par exemple à l'accueil des vététistes, où c'est vrai qu'on a été confronté parfois à des abus, à des pressions trop fortes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer les balisages, l'information pour bien canaliser, réguler finalement les mouvements au sein de la forêt. Et on a aussi le souhait de travailler sur d'autres types d'infrastructures, des aires d'accueil qui permettent d'accueillir le touriste avec effectivement
le respect de la nature et des matériaux qui s'intègrent parfaitement dans nos forêts. Donc c'est vraiment le défi qui nous attend, c'est une opportunité, c'est un défi, mais on doit effectivement respecter, et le tourisme est là pour aussi contribuer à la protection de la nature et de la forêt, sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été là, d'avoir pu partager votre vision avec nous. On est vraiment ravis d'avoir pu vous intégrer dans ce panel consacré à l'accueil du tourisme en forêt. Je vous souhaite un bon retour. Je remercie encore une dernière fois nos deux orateurs.